Alors en fait, vous entendez beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Clairement, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est partout, elle est dans tous les secteurs. Et en fait, on s'est rendu compte lors de cette task force que évidemment le marketing n'est pas épargné. On voit que l'intelligence artificielle dans le marketing peut apporter beaucoup. Elle peut apporter de la simplification, elle peut apporter de l'efficacité. Et en fait, on s'est attelé durant cette task force à essayer de comprendre comment est-ce que concrètement elle pouvait modifier, simplifier le rôle de la direction marketing. On a vu qu'elle pouvait améliorer fondamentalement la façon dont on travaillait la connaissance client. On a vu qu'elle pouvait améliorer l'expérience client. On a vu également que l'intelligence artificielle pouvait améliorer la créativité, ce qui était quelque chose qui était complètement pas du tout intuitif au départ. On s'est aussi posé la question de savoir si l'intelligence artificielle allait remplacer l'homme et si finalement on était tous condamnés à avoir nos métiers remplacés par des robots. Je vous rassure tout de suite. C'est pas le cas. La direction qui est en train de prendre l'intelligence artificielle, c'est que elle va transformer l'homme en augmenté via des nouveaux outils et va lui permettre de concentrer son intelligence et ses efforts dans des domaines plutôt liés à la créativité, plutôt liés à l'intelligence humaine. Et en fait, on se rend compte que l'homme et la machine sont vraiment plus puissants que l'homme tout seul ou la machine tout seul. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Clairement, où va-t-on sur l'intelligence artificielle? On va vraiment vers voilà ce qu'on disait de la simplification. Et je pense que dans les années à venir, le marketing va vraiment être bouleversé par l'intelligence artificielle. Et les exemples qu'on a vus et que vous allez découvrir lors de cette task force vont vraiment permettre de comprendre à quel point le marketing n'est pas épargné.